Ah ouais, c'est chaud. Ah bah c'est chaud, Dragon Ball Ghost Battle Hour 2024. L'événement à ne pas rater, que forcément tu ne pourras pas voir chez toi, donc du coup oui tu vas le rater. Mais ils te disent, c'est l'événement à ne pas rater. On marche sur la tête. Yo tout le monde, ça fait le clic, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Games Battle Hour 2024 qui, je le rappelle, aura lieu les 27 et 28 janvier 2024 à Los Angeles. Et à gros drama. Ah bah oui, gros drama les amis, on va aller directement sur mon compte Twitter, donc c'est @sofianegeek, d'ailleurs n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo, et allez te follow pour ne rien rater. Alors, c'est un gros drama, désolé je mange, hein. M'en voulez pas, on est en mode tranquille, tu vois, c'est la détente, tu vois, il neige dehors, on est là, on est au chaud et tout, tranquille, prends ton temps, d'accord, parce que en ce moment je vois que c'est des dramas et tout, c'est pas grave, hein, laisse, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas grave. D'accord. Dragon Ball Games Battle Hour 2024, c'est l'événement à ne pas rater, comme j'ai pu le dire, car c'est une fois par an, et ça traite tous les jeux vidéo de la licence de Dragon Ball, et en plus de cela, Dragon Ball Daima, le nouvel animé qui va faire son apparition en automne 2024. Voilà, bon, aujourd'hui, gros drama, depuis ce matin, pourquoi? Bah, je vais vous montrer, les amis, hein. Voilà, tout simplement, le compte officiel du Dragon Ball Games Battle Hour nous dit quoi? Merci pour vos nombreuses candidatures pour cet événement. Cet événement aura lieu hors ligne à Los Angeles. Hors ligne. Il n'y aura pas de diffusion en direct ce jour-là. Il n'y aura pas de diffusion en direct ce jour-là. C'était l'événement, on rappelle, à ne pas rater, mais que finalement tu vas devoir rater. Parce qu'ils ne te mettent pas de live ou quoi. Pour ceux qui se sont préinscrits à l'événement, nous avons hâte de vous voir sur place. Voilà, là c'est... Hein, là, voilà, hein, c'est là que je rentre en scène. Ouais. Je sais pas pourquoi les amis. Mais dites-vous bien que là, maintenant, comme moi je vais à Los Angeles, on va se mettre en live avec le téléphone, sur YouTube. Et puis bah vous allez pouvoir regarder cet événement via ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi déjà, active la cloche pour ne rien rater. 27 et 28 janvier, je serai en live sur YouTube. Alors, je vais essayer de faire un live, pas à l'arrache comme certains, comme ça. Non, 16/9, hop, je vais le prendre bien comme il faut, le téléphone, on va le laisser bien droit, etc. Il n'y aura pas un bruit, tu pourras tout suivre via ma chaîne YouTube. Et également, le frérot YKS qui m'accompagnera pour cet événement. Voilà, donc déjà... votre humble serviteur qui sera le reporter du Dragon Ball Games Battle Hour 2024. Je sais pas pourquoi, les amis. Je sentais la douille. Je sentais la douille. Pourquoi? Parce que, voilà, quand il y a eu l'annonce de Dragon Ball Daima, vous vous souvenez, on était en live, d'accord? Et quand il disait, maintenant, diffusion du trailer. Et là, boum, écran noir, interdiction, machin, on ne voyait rien. J'ai dit, mais quel est le but? C'est quoi l'intérêt, hein? Tu as des gens du monde entier qui attendent ce trailer de Dragon Ball Daima, et toi, restriction. Tu ne le montres pas, tu ne montres qu'aux personnes qui sont sur place. Et là, je me suis dit, ok, je vois, tu vois, des fois, les Japs, ils prennent des mauvaises décisions, ça arrive, tu vois. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas bien grave. On a réussi quand même à trouver le trailer avec des personnes qui étaient sur place, hein, mais alors... ouais, machin, l'autre, il filmait sa tête. Incroyable. Mais tais-toi, on veut pas voir ta tête. On veut voir le trailer. Moi, si je serais là-bas, déjà, je vais pas filmer comme ça, hein, en format TikTok. Non, je filmerai en 16/9 et je ne montrerai pas ma tête. Je vais pas parler, je vais laisser écouter les gens, tu vois. Hormis, s'il y a un truc de ouf, je ferai trop bien, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ou si c'est nul, je dirais, ah ouais, pas ouf, tu vois. C'est tout. C'est tout. Voilà. Avec le chat, tout ça, qui sera en train d'interagir. Point barre. Donc, on va essayer de faire les choses quali. Hein, pendant ce Dragon Ball Games Battle Hour 2024. Donc quand j'avais vu ça, je m'étais dit, purée, mais attends, il y a le Games Battle Hour 2024, s'ils nous font la même, moi, en tant que passionné de Dragon Ball, hors de question que je rate tout ça, comme ils avaient pu le faire pour le trailer de Dragon Ball Daima. Donc là, je me suis dit, vas-y, ils sont en train de dire quoi, l'événement, là? Veuillez prendre vos places, d'accord? Et venez nous rejoindre. Je me suis dit, ils sont en train de dire au public de venir, ils ont déjà fait une restriction avec Dragon Ball Daima. Sait-on jamais, je vais la jouer safe. Ok, bon, ça me coûte un billet d'avion, ça me coûte l'hôtel, etc. Ça me coûte un billet de ouf. Je suis un passionné,
je m'en fiche, j'y vais. Tu vois, allez, je kiffe Dragon Ball, j'y vais. Parce que pourquoi? On a Dragon Ball Diamond, on va avoir un nouveau trailer, des nouvelles infos. Je vais vous montrer hein, les sources, ok? Nouvelles infos Dragon Ball Diamond. On va avoir le nouveau jeu Fusion World, d'accord? Qui arrive le 16 février. Pareil, à mon avis, il va y avoir des boosters et tout à récupérer. Je veux être là-bas. Dragon Ball Sparking Zero, Tenkaichi 4. Je me dois d'être là-bas, tu vois? Et plein d'autres encore. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Et du coup, force est de constater que j'ai bien fait. Et comme ça, tout le monde est beau, tout le monde est content, tout le monde est heureux, puisque je serai là-bas pour vous retransmettre en live au travers de ma chaîne YouTube tout ce qui va se passer là-bas. Et pourquoi pas aller voir justement Toshi également pour avoir des news sur le jeu mobile Dragon Ball Legends, Fusion In-Game, etc. Je vais lui poser toutes les questions, moi. Ah ouais, ouais, ouais. Hop. Le Pollo Nutella, il est fini. Bon, maintenant, on va parler justement de Dragon Ball Daima. On va aller sur le site de dbz.com. Alors, dbz.com. Dragon Ball Daima, les coulisses de la production bientôt dévoilées. C'était le 9 janvier 2024 et effectivement, le compte Twitter officiel de l'événement Dragon Ball Games Battle Hour 2024 vient de communiquer au sujet du prochain animé de la franchise Dragon Ball Daima. De nouvelles informations seront dévoilées dans les jours à venir avec de l'inédit. Voilà, ça, c'est clair au moins. Tu vas au Dragon Ball Games Battle Hour, c'est pour avoir de l'inédit. Parce que c'est une fois par an, etc. On a vu le trailer aujourd'hui. Bon, même si je vous ai déjà partagé pas mal d'infos, les gens qui malheureusement ne me suivent pas ne sont pas au courant de ce qui va se passer avec les Makaioshin, le mode action RPG, etc. de Daima, côté aventure et tout. Ils ne sont pas au courant, malheureusement. C'est bien pour cela, il faut me suivre. Mais du coup, eh ben, tout ce que j'ai dit va être dévoilé lors du Games Battle Hour. Donc c'est une très bonne chose. C'est pas tout. On le savait déjà, mais c'est une nouvelle fois confirmé. Il y aura bien un panel Dragon Ball Daima au Games Battle Hour 2024, les 27 et 28 janvier 2024. Moi, je prends l'avion le 25 janvier, les amis, ok? Voici ce que les différents comptes officiels viennent de publier à l'instant en japonais. Nous vous livrerons l'histoire des coulisses de la production de la nouvelle série animée Dragon Ball Daima, ainsi que des infos spéciales. Les illustrations d'Akira Toriyama seront également présentées, alors attendez-les avec impatience. Ok, on va même avoir des illustrations de l'auteur. Parfait! On pourra bien filmer ça, prendre en photo, etc. les amis. Bon, on continue. Du nouveau sur Daima. Sans détour, ce message annonce la révélation prochaine d'informations détaillées sur la production de la nouvelle série animée Dragon Ball Daima. Il promet de partager des détails sur les coulisses de la création de la série, ce qui pourrait inclure des éléments tels que le processus de la production, les défis rencontrés et les choix artistiques. De plus, le message mentionne la présentation d'illustration d'Akira Toriyama, le créateur original de Dragon Ball, ce qui pourrait susciter un grand intérêt parmi les fans. Effectivement, j'avoue que j'ai hâte de voir ça. En résumé, le message offre un aperçu des aspects en coulisses de la nouvelle série animée Dragon Ball Daima, tout en soulignant la participation artistique de Toriyama. On rajoute, l'autre sujet qui sera attendu au tournant par les fans sera certainement de nouvelles infos sur le prochain jeu vidéo à succès, Dragon Ball Sparking Zero. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Bien sûr qu'on en veut des news, hein, voilà. Que ça soit sur Sparking Zero, que ça soit sur Dragon Ball Daima ou que ça soit sur Fusion World, le jeu de cartes qui, je rappelle au cas où, si tu découvres ce jeu qui sort le 16 février 2024 dans le monde entier, c'est un jeu de cartes à collectionner, j'ai déjà des cartes, hein, tu vois. Tu ne peux pas les trouver dans le commerce, d'accord? Faut se déplacer dans les événements et tout. Je suis parti à Jump Festa au Japon, tout ça. J'ai déjà des cartes, tu vois. Par exemple, là, le Vegeta que tu vois là, c'est un Vegeta Transfo. Eh bien, tu pourras le mettre sur ton jeu et tu récupéreras le personnage en 3D pour aller te taper en online contre d'autres adversaires. C'est une dinguerie! Donc, bien évidemment, j'ai envie d'aller tout de suite, maintenant, au Games Battle Hour. Mais en tout cas, sachez une chose, pas de panique. Effectivement, c'est pas top ce qu'ils font. C'est un événement à ne pas rater, mais finalement, tu vas le rater parce que eux, de leur côté, ils ne font pas de live. T'inquiète pas, tonton Soso, il est là. Il y aura le live avec le téléphone sur ma chaîne YouTube. Active la cloche, abonne-toi également si ce n'est toujours pas fait. Comme ça, au moins, tu ne rateras rien. N'hésite pas à partager cette vidéo pour partager cette info. Et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki-Dama. Et n'oublie pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer... sur vous.